Ok, je suis sur quel calque? Je suis toujours sur le calque grille d'image, mais ça va, c'est bien, il n'y a pas de problème. On va grouper ces images. Comme ça, quand je clique sur n'importe laquelle des quatre, elles bougent toutes. Vous les sélectionnez toutes. Et vous allez faire Objet associé, donc CTRL-G, G comme grouper. Du coup, vous avez un contour en pointillé qui vous indique qu'il s'agit d'un groupe. Bien. Si je veux supprimer une des images, je vais supprimer celle-là par exemple, je clique sur son réticule, sa petite cible. On voit que je suis arrivé au niveau du contenu de l'image, touche suppression, voilà, c'est supprimé. Ah tiens, je vais faire la même chose pour celle-ci. Ok, les deux autres vont rester. Je vais mettre de la couleur dans les blocs images qui sont restés. J'ai modifié, j'ai supprimé le contenu des blocs là. Mais là, je vais mettre de la couleur dans les blocs qui sont restés. Mais comment aller jusqu'au bloc? Bon, il y a deux solutions. La solution Illustrator qui consiste à prendre la flèche blanche et enfoncer la touche Alt. Mais il y a une autre solution, c'est sélectionner simplement le groupe avec la flèche noire. Regardez bien, ça va forcément vous servir, ça, quand vous avez affaire à un groupe. Vous avez là au-dessus des petits tridents de hiérarchie. Il y en a quatre. Il n'y en a qu'un seul qui est accessible pour l'instant, c'est celui qui permet d'aller dans le groupe. Vous cliquez sur celui-là pour descendre dans le groupe. Voilà, on est dans le groupe. Il y a une des images qui est sélectionnée. Maintenant, vous êtes dans le groupe, les tridents en hiérarchie, il y en a d'autres qui sont accessibles. Ben, il y a celui-là qui permet de passer au bloc suivant dans le groupe, celui-là au bloc précédent. Vous essayez ça et ça. Vous allez voir que ça permet de voyager dans les différents éléments qui composent le groupe, y compris les blocs qui sont vides. En fait, on a laissé des blocs images vides dans ce groupe. Évidemment, l'icône ici, c'est pour sortir du groupe et vous êtes à nouveau en train de manipuler l'entièreté des blocs. Donc, c'est pas difficile à comprendre ça. On descend dans le groupe et puis on passe en revue les objets. C'est très facile pour arriver à déterminer sur quel objet on travaille. Et là, je vais bêtement terminer le boulot là-dessus en mettant une couleur dans certains des blocs. Au fond, fond. Pas contour, mais fond. Voilà. Vous avez la teinte qui permet d'affadir, bien sûr, la couleur choisie. À ne pas confondre avec la transparence qui, elle, rend transparent. Objet, effet, transparence. Case aperçue, oui. Voilà, la transparence, ça rend transparent. C'est pas la même chose que diminuer la teinte. Je remets à 100. J'ai du jaune que je vais le tramer en fait. Voilà. Ok, autre bloc. Ok, maintenant qu'on est descendu dans le groupe, on y arrive avec la flèche noire, ça marche aussi. Voilà. Voilà. Ces blocs ne contenant plus d'images, ils pourraient contenir du texte. Après, c'est vraiment vous qui voyez comment vous allez utiliser les fonctionnalités du logiciel à des fins décoratives. Ok. Bon, petite approche donc des groupes. Hein. On a parlé un peu des groupes comme ça, c'est bien.
Donc pour pouvoir déplacer plein d'éléments ensemble et les redimensionner aussi. Avec l'outil de transformation, poignée du coin, touche majuscule pour redimensionner. Voire même avec majuscule et Alt pour redimensionner par le centre. Oui, donc ta question est intéressante. En effet, si un plateau de jeu peut être créé tout à fait dans InDesign ou dans Illustrator ou dans les deux. Hein. On peut créer des illustrations dans Illustrator et puis les amener dans InDesign. Donc oui, les plateaux de jeu, c'est comme une publication, quoi.